Salut, salut la famille, salut. Déjà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la dévéloterie. Je profite de l'occasion pour féliciter tous ceux et celles qui ont été gagnants de la dévéloterie 2024. Félicitations à vous. Et aujourd'hui, je profite aussi encore une fois de plus pour remercier tous ceux et celles qui me suivent. Nous avons déjà franchi la barre des 4000 abonnés. Alors, je vous dis merci. C'est grâce à vous, grâce à vos ondes positives que je travaille autant, avec acharnement, pour mettre des contenus tels que celui-ci à votre disposition. Sur ce, aujourd'hui, nous allons parler du sponsor. Parce que parmi vous, bon nombre de personnes se posent la question à savoir comment faire pour avoir un sponsor. Dans cette vidéo, je vais vous donner des stratégies, des techniques, comment faire. Bref, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à l'issue de cette vidéo, tu vas avoir la réponse à ta question. Et dès lors que tu auras la réponse à ta question, n'hésite pas à partager l'information. Ne le garde pas pour toi. Si c'est la première fois que tu me regardes sur cette chaîne, moi c'est Patrice. Ici, nous parlons immigration, intégration sociale et entrepreneuriat. Si l'une de nos thématiques t'intéresse, alors suis-nous en t'abonnant. Et je te conseille encore, une fois de plus, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Avant de vous précipiter à courir chercher un sponsor, rassurez-vous d'abord que votre pays a besoin de fournir un sponsor un hébergeur. Ah oui, parce qu'il y a certains pays qui n'ont pas besoin de fournir un sponsor, mais uniquement un hébergeur. Et pour le savoir, vous pouvez tout simplement vous rendre au service consulaire ou ambassade des États-Unis pour poser cette question. Et dès lors que vous avez l'assurance et la certitude que votre pays a besoin, du moins les candidats de votre pays ont besoin d'un sponsor à la dévéloterie, que vous commencez votre recherche de sponsors en ce qui concerne ceux qui n'ont pas de la famille. Parce que je vous conseille d'abord dans un premier temps de commencer au sein de votre famille. Peut-être vous ignorez que vous avez la famille proche ou lointaine aux États-Unis. Donc la première des choses, c'est de demander auprès de votre famille si vous avez un membre aux États-Unis. Et dès lors que vous avez un membre aux États-Unis, n'attendez pas au moment qu'il faille présenter le sponsor en remplissant votre DS ou bien la dernière minute pour réagir. Dès à présent, commencez déjà à rentrer en contact avec ce membre de la famille. Créez ou bien du moins renouez les liens. Si vous n'avez personne au sein de votre famille, il y a, par exemple, ça peut être un collègue ou l'ami d'un ami, ou bien ça peut être un camarade de classe. Oui, ça peut être un camarade auquel vous avez fait des études ensemble, ou bien soit lui-là, il a émigré aux États-Unis en gagnant à la dévéloterie, ou bien il est parti par autre moyen. Rentrez en contact avec cette personne et renouez, demandez à savoir si cette personne peut être votre sponsor. Ça, c'est toujours au sein de votre entourage, des connaissances. La première des choses, c'est de commencer là. Ça peut être vos amis d'enfance. Oui, ça peut être vos amis d'enfance. Ou bien l'ami de ton ami d'enfance. C'est de regarder déjà plus proche de vous. Et dès lors que vous n'avez pas prouvé au sein de votre cercle proche et moins proche, alors vous pouvez appliquer cette nouvelle stratégie. C'est ce qu'on appelle une procédure indirecte, qui peut être en passant par des différentes plateformes. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'être dans une période du numérique. Vous avez des forums. Vous avez les Facebook, les chaînes YouTube. Toi qui me regardes, par exemple. Parce qu'il y a pas mal
Il y a pas mal de, je veux dire, par exemple, des personnes qui parlent de la DV Loterie, je vais les considérer comme peut-être des influenceurs ou bien qui en parlent et qui ont des stratégies de connexion pour les sponsors. Vous pouvez aussi essayer d'entrer en contact avec eux via leurs réseaux sociaux pour demander, tout simplement. On dit la bouche qui demande le plus souvent reçoit. Donc ne mourrez pas avec une envie incessante de connaître quelque chose ou bien d'avoir quelque chose. Si vous voulez quelque chose, allez vers cette personne-là et demandez. Inscrivez-vous dans les forums des participants ou bien des gagnants à la DV Loterie pour soumettre votre problème. Peut-être viendra la solution là-bas. Oui, ça viendra la solution là-bas. Donc voilà les stratégies à mettre sur pied. Je sais. Toi, tu vas me dire, oui, tu as essayé tout, t'as pas pu avoir. Tu n'as pas de famille aux États-Unis, ni tu as essayé le lien indirect, tu n'as pas toujours eu de solution. Mais sache que tu peux aussi être ton propre sponsor. Oui, tu peux aussi être ton propre sponsor. Si tu as les moyens qui atteste que tu peux prendre charge de toi-même, dont le montant varie entre 6 et 7 000 dollars. Voilà. Et le plus souvent, lors de ton entretien, on peut demander la provenance de cet argent, de cette somme. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir avoir un tel montant? Tu peux le justifier, par exemple, grâce à tes épargnes ou bien à tes biens immobilier ou bien et autre que tu as dû vendre pour pouvoir avoir cette somme d'argent. Donc, il y a des mécanismes. Il faut être capable de pouvoir le prouver si jamais, lors de ton entretien, on te pose la question concernant ses revenus, ses ressources. Et tu peux aussi avoir la chance d'avoir gagné ou bien d'être auditionné à la Green Card et d'avoir peut-être eu des contacts au niveau d'une entreprise déjà basée aux États-Unis qui cherche vous embaucher ou bien du moins vous travaillez pour l'entreprise dans votre pays d'origine et conscient du fait qu'il vous faut un sponsor, vous demandez la délocalisation vu que vous souhaitez émigrer vers les États-Unis, demandez à ce que l'entreprise vous fasse des documents comme quoi si vous arrivez aux États-Unis, vous allez plutôt travailler dans la branche qui se trouve là-bas. C'est toujours une forme de sponsoring. Ça vous donne déjà une crédibilité comme quoi, dès lors que vous arrivez, vous avez déjà un travail qui vous attend. Voilà. Donc voilà les différentes stratégies que vous pouvez mettre sur pied pour pouvoir avoir un sponsor ou alors être votre propre sponsor. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker. Surtout, ne garde pas l'information pour toi, partage-la au max et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine.